Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé, avec ce soir Jean-Luc Lemoine, Raphaël Mesrahi, Isabelle Motreau, Stéphane Pocrin, Sophie Garel et Christine Bravo. Oh là là là. Alors là, on sent la mauvaise élève, elle fait semblant de réviser au moment où la caméra arrive sur elle. Surtout sans lunettes, ça serait pas sérieux. Dites, c'est quoi ce signe? Fait que c'est bientôt interdit, les signes de religion sur les... Pas quand c'est en diamant, quand même. C'est pas un signe religieux. Ah bah si, quand même, une croix, qu'est-ce que c'est? Ah, je croyais que c'était le Concorde. C'est Madonna, c'est la mode. Tout va bien, Sophie? Absolument, je suis ravie, je suis avec une équipe qui frappe, je vais pouvoir rester tranquille dans mon coin. On a mis Jean-Luc Lemoine à la place de l'intellectuel. Je sais pas si vous voyez. Vous avez vu les trucages, attention. On l'a mis le même jour où on a mis Christine à la place de l'intellectuel aussi, c'est vous dire que... C'est la place de l'intellectuel, ça? On savait pas, pas toujours, si. Pardon? Ah non, c'est vrai, j'y suis jamais allé, c'est fait. Et donc, vous êtes chargé de canaliser Christine. Ah, j'ai cru que je devais être drôle, j'ai eu peur. Nous aussi. Il est temps de passer à la photo du jour, c'est celle de la chanteuse préférée des ados. Et oui, elle a sorti un nouvel album cette semaine et Le Point nous montre une jolie photo. Regardez, voici la fameuse Britney String. Oh. Parce que regardez le gros plan, c'est vraiment Britney String. C'est incroyable. Là, on se dit que si toutes les ados s'habillent comme ça pour aller à l'école, il va falloir vite leur réapprendre à écouter Mireille Mathieu. Hein. Alors, parce que c'est pas possible. Franchement. Avant, sur les pochettes de disques, on voyait le chien qui représentait la voix de son maître. Maintenant, on a carrément la chatte de la chanteuse. Oh. C'est pas possible. Stéphane. Non, mais ça reste relativement pudique. On voit que le pubis est recouvert par un morceau de toile. Violet, oui, bien sûr. Bien le violet, ouais. Oh, bien sûr. Ça vous choque, vous? Ah, moi, je trouve ça choquant, ouais. Vous portez le string, Christine? Non, moi, j'attends la mode de la gaine visible, vous voyez. D'ailleurs, dites donc, si vous portez le string en même temps que la croix, c'est Christ String, bravo. Oh, elle est bonne. Oh, c'est beau. J'attendais une occasion pour annoncer ma retraite, mon départ. Mes adieux, je crois que c'est maintenant, je ferai pas mieux. Mesdames et messieurs, bon week-end. Messieurs, bonjour. On n'est pas samedi, on est bien vendredi, bonsoir, donc. Bonsoir. Puisque... Dites pas, madame, j'ai plus de boulot, je pourrais pas venir chroniquer chez vous. Amen. Ah, merci. Tu vois, je savais que t'étais un pote, mais alors à ce point-là, alors là, c'est génial. Alors, ouais, sauf que maintenant, on va pouvoir bosser, parce qu'ici, c'est peinard. Hein. La photo du jour. Allez, il est temps de passer à la revue. Ils me foutent le prompteur à l'envers, ce salopard. Attends, vous êtes dégueulasse. C'est dégueulasse, tu vois, c'est une sabote. Elle sait même pas lire. Hein. Non, mais dis donc, c'est pour ça qu'elle a réussi. Bon, allez, je te la rends. Hein. Mais c'était sympa. Un instant, j'y ai cru. Un instant, j'y ai cru. Oh. Allez. Ça fait du bien. Oh, je crois qu'effectivement, il est temps de passer à la revue de presse du dessin humoristique et je le fais sans regarder. Et on commence par l'arrivée du Beaujolais Nouveau avec ce dessin de Petus dans Le Canard Enchaîné. Étiquette pour le Beaujolais Nouveau. On va voir sur ces étiquettes. Buvez pour oublier la hausse du tabac. À ne pas suivre, hein, ce genre de conseil. Qui l'a goûté alors depuis hier? Non. Christine, non? Non, non. Vous aimez ça d'habitude? Oui, j'aime bien les jeunes crus. Les jeunes recrues aussi. Jeunes recrues. Encore que là, je suis sur les vieux cuits en ce moment. Mais bon. Non, mais bon. Non. J'espère qu'il a une assurance vie. Vous avez rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré un vieux, oui. On peut le dire. Je le connais, hein. On peut le dire.
Non, mais d'habitude, les hommes quittent leurs femmes pour des jeunes femmes, et moi, j'ai quitté mon mari pour un vieux, voilà. Pas, en même temps, c'est pas vraiment un vieux, c'est Eddie Barclay. Oui, c'est vrai. Il y a de ça. Non, je ne l'ai pas goûté, je ne l'ai pas goûté, mais... Personne n'a goûté le Beaujolais, même pas vous, Sophie? Ah non, même pas moi. Ah ben, on va passer à un autre dessin avec Cabu, par exemple, dans Charlie Hebdo, qui revient sur la défaite du 15 de France contre l'Angleterre. Dommage que le 15 de France a été battu, les intermittents auraient pu interrompre le match de la finale. Et on voit un intermittent au milieu de la mêlée, c'est Cabu dans Charlie Hebdo. C'est drôle. Les intermittents ne seraient pas allés en Australie, pourquoi? Parce que c'est loin. Regardez ce rugbyman, ce qu'il dit d'après Deligne, dessinateur de La Croix. Aller à l'autre bout de la planète pour y affronter les Anglais, c'était quand même pas la peine pour ça d'aller construire le tunnel sous la Manche. Bah ouais. Qui a déjà pris le tunnel sous la Manche, tiens? Vous, Mesraï, racontez. Non, c'est très sympa, on est bien accueillis, on mange pas mal. On voit des poissons ou pas? Non. Ça va pas. J'ai pas eu. Ah, mais ça aurait été bien. C'est pas l'aquarium sous la Manche. Il y a quelques thons, mais il n'y a pas de poissons. Ah non, non, mais j'étais persuadé qu'à travers le hublot, on voyait. Ici, il y a des passages à niveau. Ça s'arrête, il y a des poissons qui passent. Les poissons. Bon, de toute manière. De toute manière, c'est un peu comme le métro, c'est un peu pareil, quoi. Le? Mais c'est un peu comme le métro. Hein? Dans le métro, il y a pas... c'est un tunnel et il y a plein de gens qui font la Manche. Putain, t'as... Ah! Ah! Dans Le Parisien, le dessinateur Ranson revient sur le dispositif présenté cette semaine par le gouvernement pour aider les sans-abri pendant l'hiver. On commence à en parler, évidemment. Et on voit le ministre Fillon suggérer à Jean-Pierre Raffarin « Et si on demandait aux personnes âgées de consacrer une journée à ceux qui risquent de mourir de froid ?» C'est horrible, mais c'est assez juste. Mais on risque moins de mourir de froid que de chaud, quand même. Comment ça? Parce que quand on a froid, vraiment froid, on peut se couvrir, mais chaud, on peut pas... Enfin, oh, voilà. Tu m'as foutu entre deux flèches, hein, aujourd'hui. Dans L'Humanité, Luz nous donne l'avis d'une téléspectatrice après le débat d'hier soir sur France 2. Et la téléspectatrice dit oui au port du voile, si c'est pour ne plus voir Sarkozy et Ramadan. Dans Charlie Hebdo, le même Luz se moque du livre de Laurent Fabius. Cela commence par une balade. Le Fabius cool, le Fabius nouveau est arrivé et il a un goût de banane. Yo les kids. Et Luz nous dit qu'après, après les carottes râpées, la moto et la Starac que racontait Fabius dans ce bouquin, il y aura peut-être le tome 2, le dessinateur l'invente pour nous. Fabius pète au lit, Fabius fait du skateboard, Fabius se gratte les couilles et Fabius prend de l'ecstasy. Cabu nous emmène vers la politique internationale avec ce dessin publié par Charlie Hebdo. On voit Saddam Hussein dans un frigo et George Bush qui dit « On le garde jusqu'à la veille de la prochaine élection ». Ça, c'est dingue, alors lui, hein. Où est-ce qu'il est, Saddam Hussein? Il y a plein de gens comme ça. Ben Laden, on ne sait pas où il est. Saddam Hussein, on ne sait pas où il est. Mola Omar non plus. Pardon? Le Mola Omar. Le Mola Omar, on ne sait pas où il est. Au Mexique, il y a des gens qui se planquent, vous qui connaissez bien le Mexique. Ah oui, Christine, bravo. À Patrick. Non, en général, ils se sont barrés du Mexique, ils se sont planqués plutôt en Amérique latine. On va pas se planquer très près des États-Unis. Eh oui, évidemment. Et on se planque. Hein? Imagine le mec, il va se planquer au Mexique, il s'installe à côté de Christine. Essayez d'être discret à côté de Christine, bravo. Le mec, il est mort, il est mort. Ah oui, tout Mexico le sait. George Bush en voyage à Londres, cette fois chez la reine, vu par Willem dans Libération. Et on voit Bush dire à la reine « Je reprendrai bien une tasse de thé de destruction massive. Oh. » Charb s'intéresse au budget que le gouvernement a décidé de consacrer à la recherche. « Votre labo n'a rien découvert cette année, » dit quelqu'un du gouvernement. « Ah si, on a découvert que sans crédit, on ne pouvait pas bosser. » Le budget de la recherche ça, a diminué. C'est un scandale, ça. Ça, non, mais ça, c'est vraiment un scandale. Les billets d'avion pour partir à l'étranger, il y a une fuite des cerveaux terrible. Il y a une fuite des cerveaux. Bah tiens, Stevie est parti en vacances cette semaine. Je vous jure, c'est vrai. On termine par un gueuluc. Allez, ça de Philippe Gueluc tiré de VSD. On voit le chat qui dit « Jésus disait, si on te frappe sur la joue, tends l'autre joue. Crésus disait, si on te met 1000 balles dans la main, tends l'autre main. » Le raisonnement est le même. Le 6 novembre... Vous savez tous,
Valérie Giscard d'Estaing a présenté sa candidature à l'Académie française au fauteuil de Léopold Sédar Senghor, décédé en décembre 2001. Comme quoi, histoire d'immortels, comme on dit, c'est pas toujours vrai, ils sont pas vraiment immortels. Après, il faut les remplacer de temps en temps, les académiciens. Il y a même 3 fauteuils vacants, je crois, libres actuellement. Et il y en a un que brigue l'ex-président de la République, le seul ex-président de la République encore vivant, monsieur Valéry Giscard d'Estaing. L'affaire n'est pas gagnée pour lui pour autant, puisqu'un certain nombre d'académiciens s'opposent farouchement à sa nomination, notamment parce que monsieur Giscard d'Estaing n'aurait pas marqué, selon certains, l'histoire de la littérature. Nous allons recevoir sur ce plateau un écrivain de l'Académie française qui va peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur cette élection future polémique. Mais il va aussi nous parler de son livre « Adieu à la France qui s'en va » publié chez Grasset. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau M. Jean-Marie Roire. Bonsoir, bienvenue. Jean-Marie Roire. De l'Académie française, hein, comme maintenant c'est marqué, évidemment, c'est une obligation sur tout... C'est une obligation d'ailleurs sur tous les bouquins des académiciens. Non, mais comme moi je l'ai pas mal cherché, puisque je me suis présenté plusieurs fois. Oui, combien, 5 fois? 5 fois, oui. 5 fois avant d'être élu. Oui. Comme pour le bac. Ah, le bac aussi, 5 fois? 5 fois. Et permis de conduire? C'est pas vrai. Permis de conduire, première fois je l'ai eu, mais je m'en suis jamais servi. Pas plus que du bac, d'ailleurs. Ça veut dire en tout cas, et on y reviendra tout à l'heure, que Giscard, s'il n'est pas élu cette fois-là, ce sera pour une autre fois. Mais pourquoi est-ce qu'il serait pas élu? Écoutez, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'académiciens qui sont contre. Non, ça, je crois que vous avez une impression qui n'est pas la bonne. Moi, il me semble que quelqu'un d'éminent comme Valéry Giscard d'Estaing, ça, c'est quelque chose, une candidature qui, je ne dis pas qu'il s'impose, parce qu'on peut toujours être battu à l'Académie, mais... Oui, par rapport à moi, je trouve qu'il avait beaucoup plus de raisons d'être élu. Est-ce que Giscard, justement, là, je reviens à votre livre, fait partie de la France qui s'en va? C'est vrai qu'il a à la fois ce caractère de passé, de présent et d'avenir. Parce que c'est un homme, curieusement, qu'on fait passer pour un homme du passé et qui a essayé d'adapter la France au monde moderne. Finalement, regardez, il y a pas mal de décisions qu'il a prises sur le divorce, sur l'avortement. Et pourtant, c'est vrai, on l'imagine... Alors, il a fait passer la majorité à 18 ans en 73 ou 74, et 74. La majorité à gauche en 81. Oui, on peut dire ça. C'est deux trucs bien qu'il a fait. On a un autre livre, Adieu à la France qui s'en va. C'est un appel, hein, ce livre. Oh non, ah, si, ça serait très prétentieux, un appel, non. Si, c'est un petit signe. Alors, dès que on prononce le mot France, les gens se disent, attention, c'est national, c'est réac, c'est Le Pen. Non, moi, je trouve pas. Je trouve que la France est une très belle idée, d'ailleurs, à l'étranger. Tout le monde nous envie, nous dit, vous êtes français, C'est merveilleux. Vous incarnez la liberté, vous incarnez la justice. Moi, c'est ce que j'aime dans la France. Vous voulez qu'on n'ait pas honte de dire vive la France, quoi. C'est plus complexe mais que attendez, ça. Mais en même temps, c'est un livre, excusez-moi, un peu d'écrivain. C'est-à-dire, j'ai voulu quand même dire des choses qui étaient. Un livre d'académicien. Non, si d'écrivain. Vous savez, écrivain, c'est encore mieux qu'académicien. Stéphane. Non, mais c'est un livre. Votre livre, c'est un livre étrange. Vous savez, vous faites partie de ces gens, Jean-Marie Rouard. Il y a des gens qui m'énervent, il y a des gens que j'aime bien. Et vous, vous êtes les deux à la fois. Je vous remercie d'avoir écrit ce livre parce que vous, vous assumez très clairement dedans une espèce de grand récit, finalement, de l'histoire de France qui est très personnel, qui est le vôtre, dans lequel vous mettez pêle-mêle Jeanne d'Arc, De Gaulle, Lyotard. Vous mettez un certain nombre de choses. Et moi, je suis très sensible à ce récit de la France parce que c'est quelque part... ça veut dire que la France, ce n'est pas simplement une réalité, c'est aussi une fiction, c'est aussi une certaine idée qu'on se fait de ce pays. Et si les hommes politiques acceptaient souvent, lorsqu'ils débattent, de dire qu'ils ne débattent pas seulement des réalités, mais qu'on débat aussi fiction contre fiction, ben, ce pays, il irait beaucoup mieux. C'est très juste. Ça, c'est de la critique. Christine, là, il est bon, mon petit Stéphane. Ouais, il est bon, le petit popin, oui. Quand vous parlez du mal parlé, c'est quoi? C'est Ziva, Taras? Non, c'est quoi le mal parlé? C'est Nick ton académie. Vous m'avez mal lu. Moi, j'ai parlé de mon amour pour la langue française. Oui, voilà. Alors, pour un écrivain, écoutez, elle est large. On ne peut pas lui reprocher d'aimer la langue française. Non, mais on peut tout aimer dans la langue française. Bien sûr. Pierre Perret, il pourrait être à l'Académie française. Ah, bah oui. Bien sûr. Non, mais. C'est tout le monde peut y être, mais il faut qu'il se présente. Finalement, tout ça est assez lié. Hein. C'est une idée de la France, l'Académie française. Ouais. Mais avant, on va regarder ensemble une caméra cachée, puisque Dan Bolander s'est rendu aux abords du célèbre Institut du Quai Conti, l'Académie française. Il a testé pour nous faire rentrer Giscard à l'Académie. Regardez cette caméra cachée signée Frédéric Gilbert. Bonjour, ici Dan Bolander.
car j'ai testé faire entrer Giscard à l'Académie française. Et avec ça, ça peut marcher. Excusez-moi de vous déranger, je suis le secrétaire de monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Et on aurait besoin en fait de votre aide pour le faire entrer. Je respecte beaucoup monsieur Valéry Giscard d'Estaing, mais je ne peux pas m'engager officiellement. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing m'a donné cette petite enveloppe pour vous. Eh ben, c'est très possible, voilà, mais vraiment... Il y a un petit mot pour vous à l'intérieur. Vous êtes très gentil, mais il faut vraiment que j'ai un taxi là maintenant, je suis horriblement pressé. Vous voulez que je vous en appelle un? Si monsieur Giscard d'Estaing me trouve un taxi tout de suite, alors on ne sait jamais. Ah, parce que je croyais que c'était des mots doux. Oh non, alors ça, non, j'ai pas besoin. Enfin, il y a quand même une petite somme. Oui, j'ai oublié ce que ça pouvait être. Mais écoutez, vous avez quelques confrères qui vont entrer là. Je vous glisserai peut-être des noms, mais une autre fois. Des gens qui seraient prêts à peut-être voter pour lui dans ces conditions. On a un problème avec les autres académiciens. Bon, oui. Tout le monde ne veut pas de M. Giscard d'Estaing ici. Le vote est secret. Oui, donc je n'ai pas le droit de vous dire si je voterai pour lui ou pas. Bon, tenez, j'ai une petite enveloppe, c'est de la part de M. Giscard d'Estaing. Je vous donne l'enveloppe et vous votez pour lui. Non, non, d'accord. Je tombe pas dans ce piège. Discrètement. Non, il n'y a pas de souci, discrètement. Non, pas question. Votez pour moi, je suis prêt à n'importe quoi pour pouvoir vous amadouer. Tout ce que vous voulez, je vais le réaliser. Je viens de la part de M. Giscard d'Estaing, qui a besoin de votre soutien pour le faire entrer. Qui est M. Giscard d'Estaing? Je dois être amnésique, il y a quelque chose qui se passe. Ah, j'ai une petite enveloppe pour vous. D'accord. Voilà, c'est un petit cadeau. Ok. Ah, voilà, alors, voilà. Donc, c'est pour vous voyez. Non. Si, non, c'est important. Il faudrait rejoindre le Cénacle des Immortels. Ah, mais bien sûr. Comme vous, bien c'est quand même. Mais nous sommes tous immortels, vous savez. Nous sommes tous immortels. Je viens de la part de M. Giscard d'Estaing, qui a besoin de votre soutien pour entrer. dites-moi, vous pouvez il pas. Il a besoin du soutien de toute la compagnie. Oui, tenez, j'ai un petit cadeau pour vous. Tenez, acceptez-le, vous savez. Vous comprenez. Après, quand il sera élu. Votez pour lui, hein. Vous le promettez, hein? Non, j'ai rien promis. Pourquoi voulez-vous que je promette quelque chose d'autre? Vous savez, ça fait des années qu'il rêve de rentrer à l'Académie française. Je vais vous dire, ce qui serait bien s'il était élu, c'est que je pourrais le présenter à Chirac en lui disant, en disant Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter le Président de la République. Je vous laisse l'enveloppe. Si vous me la mettez à mon compte directement. Hein. Dan Belanda, avec sa caméra cachée. C'est tous les jeudis. Il était hier à l'Institut Cake-Conti. Ouais. Vous y allez tous les jeudis, vous? Le plus souvent possible. Hein? J'essaie de ne pas sécher. Je suis en face de Jean d'Ormesson, de Lévi-Strauss, de Maurice Druon. Alors, vous dites que vous êtes en face de Maurice Druon. Alors, jeudi prochain, ça va être chaud, les regards. Parce que dans le journal que vous avez dirigé il y a peu de temps, lui, on lui a donné de la place pour dire surtout pas Giscard à l'Académie. Hein. Mais oui, mais il a le droit. Ouais. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Non, quelle société voulez-vous? Vous voulez que tout le monde... Lui, dit Giscard, c'est pas un bon écrivain. Non, mais il a le droit. Moi, je trouve que tout le monde a le droit. Vous savez, il ne faut pas prendre les histoires d'Académie trop au sérieux. Bon. J'ai l'impression que vous êtes devenu un peu académicien, vous, à votre genre. Jean-Luc Lemoyne. Mais ce qui fait peur, c'est surtout qu'on sait qu'il avait failli se présenté à l'élection présidentielle. En tout cas, il avait menacé les gens de ça à un moment. Il a voulu diriger... Enfin, il a se présenté pour l'Europe aussi. Maintenant, l'Académie française, est-ce qu'il risque pas, à la fin de l'année, de se présenter pour représenter, représenter l'Auvergne à l'élection de Miss France? Et la question qu'on peut se poser dans tout ça, c'est est-ce que Giscard, tout simplement, ne s'emmerde pas? Eh oui. Écoutez, moi, je suis beaucoup plus simple que vous. Je me dis, moi, je vote pour les gens que j'ai envie de voir. Et je me dis, voir tous les jeudis quelqu'un comme Giscard... Bon, ça me paraît intéressant. Mais voilà. Méfiez-vous de lui quand même, parce qu'il y a combien de femmes à l'Académie en ce moment? Elles sont peu nombreuses. Il y en a trois. Trois pour faire le ménage de tous ces mecs. 3 sur 37 garçons. Quelle quand chance. On sait qu'en plus Giscard est un peu dragueur. Un peu dragueur, le Giscard. Il n'est pas le seul, à mon avis. Mais vous n'avez pas peur aussi, parce qu'on a appris depuis la candidature de Giscard qu'il y avait un autre ex-ministre politicien, Roger Gérard Schwarzenberg, qui lui aussi était candidat à l'Académie française. Est-ce que ça ne va pas devenir un endroit où... alors pourquoi pas Dominique Voynet, Philippe Séguin, Michel Rocard? Mais c'est pas pareil. Ça prouve que les gens ont envie d'y rentrer. On sait que chaque académicien, dès qu'il est élu, doit rendre visite au président actuel. Et on sait aussi que Giscard n'est jamais retourné à l'Élysée depuis mai 81. Qu'il a dit au revoir. Alors, depuis qu'il a dit au revoir, qu'il a laissé son tabouret vide, là, un peu comme une publicité pour des hémorroïdes, et ben, non, c'est vrai, il est jamais retourné là-bas depuis. Alors, il va aller voir Chirac à l'Élysée. Oui. Ça, alors, ça va être quelque chose. Pourquoi? Alors... Il va se rasseoir sur le tabouret et faire « Bonjour ». Vous propose qu'on vote. On est finalement une petite académie ici, là, tous autant qu'on est. On est 7, on est un nombre impair. Allez, comme si c'était nous qu'on décidait. Pour ou contre Giscard à l'Académie? Stéphane. S'il est là-bas tous les jeudis, il dira moins de conneries, on l'entendra plus, très bien. Pour. Christine. Pas pour. Pas pour. Non. Moi, absolument pour.
2. Pourquoi? Vous pouvez justifier? Je sais pas. Isabelle? Contre. Jean-Luc? Contre. Contre, pourquoi? Bah non, mais je me demande, il y a plein de nouveaux mots qui doivent arriver, donc ça serait bien aussi de faire rentrer quelqu'un de plus jeune, qui soit plus en prise avec la réalité de la société aujourd'hui. Sophie? Contre aussi. Je suis comme lui, j'aime mieux les fraîcheurs. Aïe, aïe, aïe. Si nous sommes... Je ne crois pas que ce soit le cas, je vous rassure. Et je rassure M. Giscard d'Estaing s'il ne regarde pas la gaffe ce soir comme d'habitude. Mais ou plutôt la Star Academy. Mais si nous sommes représentatifs de l'Académie française, il n'a obtenu que 2 voix sur 7. C'est pas très rassurant pour le 12 décembre prochain. Dis-toi bien une chose, Laurent. S'il rentre à l'Académie française, on va parler de lui. Tu vas pouvoir replacer ton imitation plusieurs fois. Par... Exactement. Ah non, ce serait génial quand après tout. Finalement, vous avez raison. Si jamais il vient faire son discours avec un accordéon, Daniel Gilbert en pom-pom girl. Ce serait formidable. Ouais. Quelle belle élection, ouais, non? Ça serait bien. Ouais. Oh, je sens un malaise, là. Ah. ça fait mal. Et attendez, attendez, je viens de savoir pourquoi vous soutenez Giscard. Je le lis, là, dans une interview de Paris Match du 3 octobre 2002. Vous avez eu une amourette avec une des nièces de Giscard. Vrai ou faux? Non, je sais pas où vous avez trouvé ça. Je dément formellement. Mais je crois que c'est dans un de vos livres, en plus. Vous savez, c'est un livre, c'était un roman. Oui, oui, mais... C'était un fantasme. Oui, mais quand même, c'était un fantasme. Quand même. Là, non, 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 c'est pas dans celui-là. Si c'est vrai, on peut comprendre, mais si c'est un fantasme, vous êtes pervers. Parce que vouloir se taper la nièce de Giscard, faut vouloir. On est tellement bien. Allez, adieu à la France qui s'en va. Jean-Marie Roire chez Grasset. Un livre à la fois autobiographique, à la fois historique et un livre d'écrivain avant tout et d'académicien. L'académicien recevra-t-elle les lettres VGE dans cet ordre-là à l'Assemblée? On le saura début décembre prochain. Merci, Monsieur Roire. Au mois de septembre est sorti Le Plaisir. Nouvel album d'Alain Chamfort, et il sera, Alain Chamfort, très prochainement sur scène au Bataclan. C'est le grand retour de celui qui nous a chanté Manu Reva, Chasseur d'Ivoire ou Malaise en Malaisie. Pour ce disque, Chamfort s'est entouré d'artistes de talent. L'écrivain Michel Houellebecq a même signé l'un des textes, il va sûrement nous raconter comment. Pour tester ensemble ce nouveau plaisir, accueillons tout de suite Alain Chamfort. Alors, il y a pas mal de chansons, évidemment, toutes nouvelles sur cet album, qu'on entend. C'est assez curieux, c'est la première fois que... Vous m'entendez? Non, non, que je repère ça sur une radio. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord entendu la chanson sur le has-been, c'est comment le titre déjà? Le Grand Retour. Le Grand Retour, voilà. Que j'adore. Alors, j'adore cette chanson, le has-been. Elle est joyeuse, c'est le côté, ben voilà, l'amour est toujours prêt à revenir, on s'y attend pas, il est là, pouf. Et on n'est pas toujours prêt pour ça. Et même quand on pense qu'il est parti depuis longtemps, il revient, Le Grand Retour. On va écouter et regarder un extrait du Grand Retour, une des chansons de ce nouvel album d'Alain Chamfort. C'est le grand retour d'un has-been superbe dont peuvent s'inspirer les idoles en herbe. C'est le grand retour longtemps redouté d'un vieux menteur à la voix veloutée qui revient en Qu'est-ce que vous voulez dire sur votre clip? Ah, ils sont non, toujours très que... soignés, vos clips, hein, faut bien dire. Vous faites très attention. Oui, j'aime bien, effectivement, parce que c'est destiné à rester, quand même. Donc, c'est comme un disque, hein, finalement. Alors, un nouvel album. Je l'ai dit avec un auteur inattendu sur cet album, un parolier que vous êtes allé chercher, je crois. C'est Michel Houellebecq, le romancier, l'écrivain. Oui, 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 oui. Comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez appelé? Oui, oui, absolument. Oui, oui. Parce que Jacques Duval, qui a écrit l'ensemble des autres textes, et avec qui je travaille depuis plusieurs albums, a eu un moment de santé un peu délicate, donc il ne pensait pas pouvoir terminer l'album. Et à force d'échanger les idées avec les gens qui étaient concernés par l'album et par sa réalisation, on a pensé à Michel Houellebecq. Je l'ai contacté, et puis très gentiment, il a eu envie de participer à l'album et d'écrire des chansons. Voilà. Et par contre, il a écrit une chanson qui s'appelle donc « Juste avant l'amour ». Mais si on ne sait pas que c'est lui qui l'a écrit, on ne peut pas vraiment... Deviner que c'est Houellebecq. Voilà, pour tous, c'est pareil. Hein. C'est vrai? Ah ouais, Stranger in the Night, on n'aurait pas dit, on n'aurait pas su. Moi, je suis un peu déçue par Juste avant l'amour, justement.
Parce que... Certaines personnes, effectivement, disent ça. Mais moi, franchement, je vais pas vous faire l'injure de citer des vers à plat en les extrayant du truc, parce que ça, c'est terrible. C'est malhonnête. Oui, c'est malhonnête. Mais c'est vrai, quand on... Moi, j'ai vu Houellebecq, alors je suis immédiatement allée voir. C'est une petite chanson d'amour, oui. toute bête. Ouais. Bah, pas toute bête, ça, c'est simple. En même temps, c'est presque la plus optimiste. Parce que moi, ce que j'ai aimé, ce qui m'a un peu déçu dans votre disque, c'est qu'au départ, le grand retour, alors, le chanteur, elle va velouter tout ça, on se dit, ça y est, il va arriver dans son petit costume noir, son t-shirt et tout ça, un petit peu buriné comme on les aime, bien propre sur lui, et hop, il va nous faire de l'amour à tout va. Pas du tout. Il y en a une qui le mord, il y en a une qui le regarde, qui se tire. Lui, à un moment donné, il va être volage avec les copines de Mélanie. Enfin, il n'y a que des histoires d'amour désenchantées. Même à la fin, les sirènes de l'amour, il leur dit, tire-toi, je ne veux pas entendre parler d'amour. Il n'y a que Houellebecq qui dit, peut-être ce soir, si elle veut bien enlever sa culotte, on verra. Mais c'est la seule, qui est un petit peu optimiste. Ah, dites, voilà un condensé de votre album. Assez étonnant. C'est ça, l'album. Stéphane Potrin, vous avez écouté le nouvel album d'Alain? J'ai écouté le nouvel album, j'ai beaucoup aimé. C'est un peu, vous savez, comme quand on rentre dans une boulangerie le matin et qu'on sent l'odeur du croissant chaud, on se dit que ça va être bon. Ce que j'aime bien dans votre album, comme l'a dit Sophie Garrel, c'est que c'est vraiment un album très désenchanté, du désenchantement. Et vous avez cette capacité à mettre à nu vos bleus à l'âme. Et d'une certaine manière, en mettant à nu vos bleus à l'âme, de mettre du bleu au ciel. C'est-à-dire que vous rendez jolies les choses qui sont tristes pour vous, et depuis longtemps, donc et ça pour notre plus grand plaisir. Merci. Oh. C'est gentil. Oui. Pas mieux. Il a résumé ce que j'espère entendre. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais dis-moi, on sait rien de toi. Qu'est-ce que tu fous? Tu couches avec qui? Moi, je peux vous dire, d'ailleurs, c'est pas une révélation, parce que je l'ai lu dans une interview. La demoiselle sur la page, on la voit pas bien en même temps. Ah bon? Mais c'est votre compagne. Oui, en même temps, cette photo devrait pas être comme ça, elle devrait être couchée, parce que là, comment tu veux. Regarde, s'ils sont debout, il y a un truc qui va pas. Elle est sur la pochette. Je crois que c'est sa fille. Attends, elle est petite. Moi, tout ce que je l'ai déjà croisée sans les cheveux. Elle est très, très jolie. C'est un monsieur chanceux, Alain Chanceux. Mais ça fait longtemps que ça dure? Ça fait 16 ans. Ça va durer? Quoi? Oui, ça fait 16 ans. Ouais. Mais pourquoi on vous voit jamais, alors, tous les deux, en train de, sur la plage, faire des galipettes, tout parce ça? Parce qu'on va pas dans les endroits où les photographes se trouvent, généralement. C'est pas ce qui nous attire. Donc, si on voulait être dans les magasins, on ira à Saint-Tropez, comme tout le monde. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça qu'on le voit pas. C'est pour ça. Enfin, puis pas que pour ça. Mais quand même, c'est dingue. Il y a des tas de choses que j'ignorais. C'est la première fois que je me plonge autant dans votre biographie artistique, on va dire. Et alors, le nombre de gens que vous avez croisés, j'ignorais, par exemple, vous étiez dans un groupe qui s'appelait les Mods, je crois. Oui. Il y a Dutronc qui est arrivé. Et à ce moment-là, ça, alors, une rencontre assez inattendue, je dois dire, vous croisez Dick Rivers. Ah non, c'est un peu plus tard. Mais chance. Enfin, c'est à cause de Dick Rivers que Dutronc vous en a voulu. C'est-à-dire que Dick Rivers m'a proposé d'enregistrer un disque et c'est vrai que Jacques n'a pas très bien vécu parce qu'il pensait que je pourrais très mal faire les deux activités, à savoir l'accompagner sur scène et faire mon propre projet. Parce que vous étiez musicien pour Dutronc? Oui, je l'accompagnais pendant 3 ans presque. Vous avez reparlé depuis? Oui, bien sûr. Bon, alors, il y a eu Dutronc, il y a eu Claude François, il y a eu qui d'autre? Gainsbourg. C'est incroyable aussi vos rencontres. Pourquoi c'est incroyable? Je sais pas, j'ai l'impression que à chaque fois vous... Mais je sais pas, il se passe un truc... Les gens sont jaloux de vous, voilà ce dont j'ai l'impression. Claude François, il vous emmerde parce que... Mais il était vachement plus beau que lui, que Claude François. J'étais plus jeune, surtout. Quoi. Mais t'étais plus beau, c'est pour ça qu'il t'en voulait à mort. Oh, j'étais différent. Il était blond, j'étais brun. Je sais pas, écoute, il a eu tellement de succès que c'est difficile à... Ouais, mais il paraît que les nanettes, à un moment, elles te regardaient toi et pas lui. Une partie des fans. Alors... Enfin, il a gardé le plus gros quand même. Enfin, quand même, ça m'a surpris de voir que vous pouviez susciter autant de... Enfin, qu'en fait, c'était la guerre entre les chanteurs. C'est pas la guerre, mais enfin, c'est vrai que les grandes affinités et les vraies complicités et les vraies histoires d'amitié sont assez rares quand même. Jean-Luc. Eh ben, moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup Alain Chamfort. Je suis très touché par ce qu'il chante. Votre version du temps qui court, j'adore ça. L'adaptation d'une chanson de Barry Manilow. Je suis un fan absolu. Et pourtant, c'est, vous n'êtes pas la plus grosse voix de la chanson française. Non. À chaque fois, moi, j'ai peur pour vous. Je me dis, est-ce qu'il va arriver au bout du couplet ou est-ce qu'il y aura une crise d'asthme? je me dis ça, mais ça me touche vraiment. Et l'album, c'est vraiment le grand retour d'Alain Chamfort. Donc j'adore le grand retour, Lili Shanghai et Fuyons. Avec cette phrase magnifique, je trouve, c'est Fuyons, Fuyons, Fuyons. Seuls les poltrons sont bien portants. Et ça, je trouve que ça, c'est tout vous. Il y a de l'humilité, il y a de la finesse. J'aime votre attitude, tout simplement. Voilà. Non, je suis ravi.
Le Bataclan, ce sera le 30 novembre, avec en première partie Albin de la Simone, qui est un chanteur qui lui aussi, on l'a eu en radio il n'y a pas longtemps, a fait un album. Vous l'avez encouragé là, lui aussi? Oui, mais il jouait sur mon album. Vous allez vous fâcher après une fois qu'il aura du succès? Jamais, au contraire. Regarde cette photo. Comment est-ce que tu acceptes? Tu montres des rides là, plus vieux que tu n'es. Comment tu... Pourquoi tu fais ça? Mais sur quelle photo? Quand je suis avec la barbe? Non, non, là, oui. Celle-ci, là? Ah, c'est pas toi? Elle vient d'être prise! C'est une photo prise sur plateau! Je crois que c'est un arrêt sur image. Ça, c'est tout notre Christine, vous savez. Mais vous êtes dégueulasse, j'espère que vous ne faites pas le coup. Hein. Attends, regarde les rides que tu lui as foutues. Elle est... Non, c'est pas eux, hein, c'est moi, c'est vrai. Raphaël Mesrahi ne vous a pas encore posé de questions et je sens que ça vous manque déjà, Alain Chamfort. Ça va? Oui, bah oui, Raphaël. Mais lui, il connaissait surtout les très fans du premier répertoire. Ouais. Hein, ah ça, oui, voilà. L'amour en France et tout le reste. Ouf. Le lundi au la soleil. La période paillette, on peut dire. Le lundi au soleil, c'est l'autre. Alors Alain, moi, je sais pas par quoi commencer. Enfin, j'adore. J'adore ta femme. Comment ça va? Très bien. Je l'adore aussi. Ouais. Passera le bonjour. Alors bravo, alors donc c'est un album très chaud, qu'on aime bien écouter avant de faire l'amour. Le problème chez moi, c'est que bon, bah, ma chaîne fille est en panne. Et, tu ne fais pas l'amour. Voilà, donc je peux écouter que dans la voiture, ma femme n'aime pas les parkings. Donc, ce que je peux faire. Mais je conseille d'écouter dans les voitures, moi, les albums. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour écouter de la musique. L'acoustique, c'est bien, on est bien dedans. Vas-y, ouais. Vas-y, passe la deuxième, vas-y, je m'en fous. Voilà. Très bien. Alain Chamfort, le grand retour, c'était la première chanson qu'on a entendue sur toutes les radios. Loin d'être has-been l'amour et loin d'être has-been le chanteur Chamfort aussi. C'est Le plaisir, le titre de l'album. Et à partir de la semaine prochaine, on découvrira, vous découvrirez Sinatra. Merci Alain Chamfort. Merci. Et le Bataclan, à la fin du mois, le 30 novembre. Merci bien. Le 5 novembre est sorti Crazy Horse, le show, un DVD réalisé par Laurent Berger qui reprend les numéros les plus célèbres de la revue du Crazy. L'avantage de ce DVD, c'est que vous pourrez profiter pleinement de ces ravissantes danseuses en appuyant sur pause dans les moments les plus chauds et en mettant stop quand votre femme rentrera dans la pièce. Les Anglais ont essayé de nous faire de la concurrence avec leur vache folle, mais le Crazy Horse est lui inébranlable, il est français. Pour tester ensemble ce DVD, on va accueillir tout de suite trois danseuses de ce lieu mythique qu'est le Crazy Horse Saloon. Elles ont évidemment des noms à coucher dehors, mais c'est pas vraiment ça qu'elles inspirent. Voici Volga Moskovskaya, Yodel Weiss, ça c'est plus facile déjà, et Nikela Kroma. Bonsoir, je vous en prie, installez-vous. Alors, à mes côtés, Volga Moskovskaya. Vous êtes d'origine polonaise? Exact. Super, vas-y, l'autre. Voilà. Yodel Weiss. C'est ça. On aura compris grâce à votre nom, votre surnom, hein, j'imagine, que vous êtes suisse. C'est ça, oui. Et derrière, Nikela Kroma. Derrière. C'est vous qui avez moins de chance, hein, quand même. Nikela Kroma, on croirait un ordre. Nikela, Nikela Kroma, Nikela. Et vous êtes anglaise. C'est vrai. Il n'y a pas de rapport entre l'Angleterre et Nikela Kroma. Et en fait, c'est Nickel Chrome. Nickel Chrome, ça j'avais compris. Et il va de soi que ça, ce sont des noms que vous ont donnés les patrons du Crazy Horse. Exact. Vous appelez toutes Janine. Il paraît même que vous n'avez pas le droit de vous appeler autrement que par ces noms-là. C'est toujours vrai, ça? C'est toujours vrai. Toujours vrai. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis les pieds dans l'établissement... Oui, une fois qu'on a pointé, c'est fini. Il y a une pointeuse, c'est vrai? Il y a une pointeuse. Oui. Ça, c'est bien la danse classique. Hein. Non, c'est de l'usine. Vous avez commencé par des pointes et... Il faut savoir que vous ne dansez plus, vous entraînez les autres. Pour entraîner les autres, on a notre chorégraphe Sophia Balma. Okay. Donc en fait, c'est elle qui entraîne toutes les danseuses. Et Vous êtes capitaine. Exact. C'est quoi capitaine? C'est comme l'idée des gens, c'est l'idée des gens, voilà. Mais en mieux. C'est la belle des gens. Oh. Bon, alors, vous êtes capitaine, vous n'avez pas dit ce que c'était qu'être capitaine. Ben, c'est moi qui ai la méchante. C'est exact. Merci. Putain.
Alors, Yodel Weiss, elle balance. Hein. Elle est marrante, Yodel Weiss. Hein. C'est elle qui nous corrige le soir quand on est sur scène. Voilà, c'est moi qui les engueule. Tu es en retard, toi, viens ici, va là-bas, patati patata. Et c'est elle qui nous dit mais c'était horrible ce que tu as fait. Ou... Parce que alors, ça veut dire que vous improvisez parfois le soir. Donc, c'est quand même tous les soirs à peu près la même chose. Non, mais parfois on se trompe ou parfois. Ah oui. Quand même. Bien entendu, mais ça arrive. Ça y est, à la pub pour non, le plaisir. Non, mais ça arrive. Ah oui. Et c'est parfois, elle reste habillée à l'oubli. Oh merde, j'ai tout gardé. Justement, vous êtes entièrement nue sur scène ou pas alors? Bah, pas du tout. On est habillé en maquillage de lumière. Vous êtes habillé en maquillage de lumière, oui, c'est ça. Et mon cul aussi dans ma. Bon, attendez, alors là, faut pas exagérer. Je vous demande si vous êtes nu, vous me dites non. Ah non, on n'est pas nu, on a un habillage de lumière. Ah, c'est bah, joli. Enfin, mais ça, si on coupe la lumière, vous êtes nu. Ah oui, c'est noir, on voit plus rien. C'est vrai. C'est ça l'habillage de lumière. C'est ça. Et si exactement, on y va avec des lampes de poche pour niquer les images de lumière. Bon, ben, c'est, un... c'est, c'est impossible parce que c'est interdit aux mineurs. Je ferais pas mieux, hein, je vous le dis. Un extrait du DVD. Alors, je crois qu'en plus, c'est un DVD France Télévisions. Parce que c'est très service public, ah ouais. le Crazy Horse. Et si on regarde bien les images, bah, autant vous dire, on reconnaît Arlette Chabot, Béatrice Schoenberg, Daniela Lombroso, Christine Bravo. Oui, oui. Tout à poil, ça, c'est vendeur. Le DVD du Crazy Horse, un DVD France Télévisions. Habits de lumière. Mais est-ce que quand même la première fois qu'on doit se déshabiller pour entrer sur scène, c'est pas un peu gênant? Moi j'aimerais savoir ça. Racontez-moi. Alors moi pas du tout, parce que ça avec le stress. Non mais on est tellement stressé la première fois et toutes les filles sont là avec nous, donc c'est comme c'est quand on est habillé qu'on se sent bizarre. Et moi aussi je trouve très bizarre là. Dans vous c'est pareil, ça vous a pas gêné? Moi, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai eu du mal à rentrer avec mon homme après. Il était un petit peu scotché. Mais c'est... moi, je trouve qu'avec ce DVD, on devrait livrer un petit manuel du parfait petit électricien. Comme ça, à la maison, on ferait les mêmes lumières. Et nous, les boudins, on aurait peut-être les mêmes chances de séduire nos mecs. J'imagine votre mec le soir avec la lampe de chevet. Vas-y, sous le lustre. Non, mais c'est absolument magnifique. J'y suis allée à plusieurs reprises. C'est de l'art, c'est une chorégraphie formidable. Et elles sont obligatoirement non seulement sublimes, mais extrêmement souples, gracieuses. Et ce sont toutes des danseuses. Isabelle Motron n'a pas l'air d'accord. C'est pas de l'art pour Isabelle. Mais elles sont souples, hein. Elles sont souples. Mais non, mais moi, je suis pas... Il y a qui dépasse, hein. Ben, voilà, ben, je suis pas du tout cliente de ce genre de truc. Pour moi, c'est pas fait pour vous. Ah non, mais la féministe qui est en moi s'insurge contre ce genre de spectacle, forcément. Il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, dans la salle. Beaucoup de femmes, beaucoup. Oui. Vraiment? Est-ce que vous avez vu le show? Je l'ai vu. Ben, d'abord, j'ai vu le DVD, et puis je l'avais déjà vu à la télé à plusieurs reprises, oui. C'est pas la parce même chose. Je trouve justement. Je suis jamais allée dans la salle, non. Je suis jamais allée dans la salle. Il faut y aller dans la salle, il y a des trucs qui se passent, je te jure, vraiment. Vous êtes allé, vous, Raphaël? Oui, j'ai tout fait, tous les shows qui existent,
Ah même, oui. J'ai vu même des matchs de foot déjà. On n'est pas habillé pareil. Non mais c'est bien, dès qu'on est dedans, j'adore. Moi, ouais, je suis fan tout de suite, même si j'ai des réticences un peu au départ. Après on me dit tiens vas-y c'est super, je regarde et j'adore. Le DVD, Christine, vous l'avez regardé? Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Je voudrais savoir, il faut que vous ayez la fesse basse. Ah ça je peux. Moi j'ai toujours entendu dire que une nana avec un cul bas c'était pas beau. Mais bien bombé. Oui mais pourquoi bas? Comme ça, quand vous faites de les déhancher, ça va plus loin. La cambrure est plus accentuée quand les fesses sont basses. Ah bon? Vous avez fait de la danse classique. Hein. Ah oui. Vous auriez pu terminer au Crazy Horse. Oui, non, j'ai terminé devant mon lave-vaisselle. C'est très drôle ce qu'elle a dit. J'ai commencé au Crazy Horse, c'est vrai. J'aurais pu. Commencer à terminer. Eh bien, elle a raison. Vous n'auriez pas pu terminer au Crazy Horse, vous n'auriez pu commencer au Crazy Horse. C'est con ce que je viens de dire. Bien sûr. C'est vrai, on ne termine jamais au Crazy Horse, on commence au Crazy Horse. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on fait après le Crazy Horse? Parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. À part Love Amour qu'on connaît tous, qu'est-ce qu'elles deviennent les autres? Danseuse. On change du métier carrément, on touche à autre chose, ou on se marie, on a des enfants. Ou... Quelle horreur. Ah oui. Qui est la patronne du Crazy Horse aujourd'hui? En fait, on a trois patrons, les enfants d'Alain Bernardin, Pascal, qui Didier. Était évidemment la figure mythique du Crazy Horse pendant de longues années, Alain Bernardin. C'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs de ces noms ridicules, hein, que vous leur... Merci. Non mais c'est vrai. Ah non mais il y a eu des noms incroyables, vous avez vu ça, Pocra, hein, les noms des danseuses précédentes, on pourrait peut-être en donner quelques-uns, parce que Dodo d'Hambourg, ça c'est quand même assez rigolo, Bertha von Paraboom, Rosa Fumetto, c'est quand même dingue, hein. Rosa Fumetto, j'aurais bien voulu connaître Rosa Fumetto. Qu'est-ce qu'il a choisi les noms? Vous n'avez pas de voix au chapitre? Vous ne pouvez pas proposer? Non, en fait, ils nous observent pendant toute la période de répétition. C'est comme ça qu'ils ont dit « niquez là Pas très sympa comme surnom quand même. Pourquoi? Nickel Chrome. Oui, un corps parfait. Non mais il y en a qui sont un peu ridicules. Il y en a qui sont un peu mais ridicules. Mais c'est comme chez les scouts, hein, c'est le même principe. Hein. Chacun son totem. Ah oui, chez les scouts, c'est pareil. En tout cas, moi je voulais dire que j'ai bien bossé le sujet et ça n'a pas été facile. Parce que autant quand on parle des toilettes dans les écoles, ma copine, ça ne la dérange pas du tout que je consulte la documentation. Alors c'est un DVD du Crazy Horse, ça crée des problèmes. Et vous avez eu des soucis à la maison? Un petit peu quand même, ouais. Alors j'ai dit, mais c'est de l'art, regarde. Elle fait, oui, prends-moi pour une conne. Et donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut virer l'éclairagiste, parce que c'est vrai que c'est n'importe quoi, ces éclairages, on vous voit jamais vraiment toute nue. Je suis désolé, quand il y a une jolie fille toute nue, on met pas des loupiottes qui tournoient, on met un gros projecteur, on bouge pas. Mais c'est vrai que finalement, elle compagnie. C'est à partir du 1er décembre qu'il y aura un nouveau spectacle au Crazy Horse, le spectacle Tabou. O-O, hein, T-A-B-O-O. Un nouveau spectacle, ça veut dire quoi? Ce sont des nouvelles danses, des nouvelles musiques, de nouveaux éclairages, de nouvelles filles? Oui, beaucoup, 70% de nouveaux numéros avec de nouvelles musiques, nouveau système de spectacle. Ça veut dire que le spectacle sera en permanence. Il ne sera pas interrompu comme jusqu'à maintenant. Mmh. On verra très bien les danseuses à partir du 1er décembre. Très bien. Est-ce qu'il y a des attractions autres que les danseuses? Parce que pendant un temps, ils me sortent. Ah, c'était bien, oui. Il y a des magiciens. Des ventriloques, des magiciens. Il y en a toujours. Toujours. Il y a toujours des ventriloques. C'est formidable. Pas bon. Ça dépend, ils changent. Ça va bien, toi? C'est génial. À partir du 1er décembre, le nouveau spectacle. C'est assez déstabilisant dans le DVD, c'est qu'au début, on voit que vous avez une hygiène parfaite parce que. Mais c'est bien, mais il faudrait faire tout ça avant le spectacle parce qu'il y en a une qui vient prendre un bain sur scène, elle aurait pu le faire avant. Il y en a une qui prend une douche après. J'ai eu peur qu'il y en ait une qui vienne se laver les dents. Donc il faudrait peut-être prendre des précautions avant le spectacle, ça serait bien pour les spectateurs. Merci. J'imagine que votre poids doit être très surveillé et non seulement par vous, mais même par la direction. Comment ça se passe? Une fois par semaine, c'est toujours la pesée. Donc tout le monde, c'est quand on veut, mais c'est le dimanche. elle va se tomber dans les pommes, moi trop. Mais c'est pas ça. Vous l'avez pas dit à partir de la semaine prochaine ici aussi. Oh. Bon bah, on les attend. Je vais rentrer chez moi. Il y a un truc d'ailleurs. Donc tous les dimanches la pesée. Voilà. Et sinon vous êtes viré. Un kilo. Si vous dépassez du poids. Un kilo. Vous n'avez pas le droit de prendre un kilo. Ni perdre. Mais vous pouvez combler, mettre des trucs dans les poches, des machins. Et on situe ça comment sur l'échelle de l'art?
Mais c'est encore esthétique, voyons, oui. C'est normal. Oui. Bien sûr. Mais alors, attention, ça doit quand même être très réglementé. On peut pas vous virer parce que vous avez pris un kilo. Les jockeys, les gens, ils viennent nous voir pour notre corps, pour notre beauté. Ils vont plus nous voir pour notre intelligence. Donc, en moins, pour les corps, il faut que ce soit parfait. Bon, ça n'empêche pas que vous puissiez être intelligent. Oui. Ça n'empêche pas. C'est pas ce que vous devez montrer. Ça, voilà. Ah, j'ai bien compris. Mais n'empêche, si vous êtes viré parce que vous avez 500 grammes ou un kilo de trop, moi, je vous conseille, ce serait quand même rigolo, d'aller au conseil des prudes hommes. Ouais. Non, c'est pas des virés, c'est de nous appeler. Il y a un autre truc là, moi, qui m'épate dans la documentation qu'on m'a donnée, c'est qu'on me dit qu'il y a des auditions de danseuses au Crazy trois fois par semaine. Mais là, je comprends pas, parce que j'imagine quand même que quand une danseuse est engagée, elle dure plus d'une semaine. Ben oui, mais moi, par exemple, je fais des auditions du Crazy quatre fois par semaine chez moi aussi. Non, mais c'est ça, pourquoi? Alors, elles font quoi, les filles? Elles viennent auditionner pourquoi, les filles? Elles viennent auditionner trois fois par semaine. Mais pas chaque danseuse trois fois par semaine. Donc, qu'il y ait autant d'auditions, ça veut dire qu'il y a plein de jeunes femmes, de jeunes danseuses qui rêvent d'être un jour danseuse au Crazy Horse. C'était votre cas quand vous étiez petite, vous disiez plus tard, je vais être au Crazy Horse? Moi, petite, non. À l'âge de 18 ans, oui, mais petite, non. Elles n'ont jamais été petites, ces grandes filles. Yodel, vous? Moi, pas du tout. Je suis arrivée, en fait, par hasard. Et quand j'ai vu le spectacle, ça m'a vraiment... J'ai vu... ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que la femme était tellement belle dans le spectacle, j'ai vraiment eu envie d'en faire partie. Et vous, Nicolas? Oui, pareil, j'étais déjà danseuse à Paris et j'étais voir le spectacle. Je suis étonnée, je pensais que vous alliez les draguer un peu plus, mon cher. Bah, vous m'en empêchez. Parce que vous avez une sacrée réputation avec des filles du Crazy Horse. On m'a dit, Raphaël Mesrahi tombe toujours des nues. On va remercier Volga Moskovskaya, Yodel Weiss et Michaela Kroma. Mais si vous voulez jouer avec nous, veux-tu jouer avec moi? Les yeux qu'elle a, des yeux, alors c'est terrible. Vos yeux sont terribles, on vous l'a déjà... Oh, vous l'a déjà dit, c'est con ce que je dis. Et ses mains aussi, c'est... Ah non, ses yeux. Ah oui. Tu veux jouer au tac à finir? Allez, c'est parti, tac à finir. Michael Youn, un confrère, a déclaré ma pire humiliation lorsque j'ai... Travaillé sur M6. Non. Mais, ça a un rapport avec M6. Lorsque j'ai regardé mon émission. Non. Lorsque j'étais refusé à M6. Non. Après, ça s'est passé après. Lorsque j'ai quitté M6. Lorsque j'ai été renvoyé d'M6. Alors c'est à ce moment-là, c'est quand il quitte M6, mais c'est plus précis que ça. Lorsque j'ai... Été remplacé par Laure Delattre. Gagné, Christine Bravo, exactement. Lorsque j'ai été remplacé par Laure Delattre pour présenter le Morning Live. C'est pas très sympa, mais c'est assez drôle. Patricia Cass a déclaré des défauts, je n'en ai pas. C'est pour ça que c'est dur de vivre avec moi. Je fais peur aux hommes. Non. Et sans moi. Pardon? Sans moi. Avec moi et sans moi. Avec moi et sans moi. Ah non, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Je suis parfaite. Ah. Très bien, on se rapproche. Je suis au top. Je suis tellement connue que je fais... Non. Je suis sans aspérité, non. Parfait. Elle n'aurait pas alors, dit aspérité. Pas l'adjectif de parfaite. La perfection fait peur. La perfection, pas fait peur. La perfection... Ça glace, ça fige. Pas ça glace, ça... Ça gonfle. Ça refroidit. Non. Ça gèle. Non, ça rime, il y a une lettre en trop, ça... Ça lasse. Ça agace. Bravo, Christine, bravo. La perfection, ça lasse. Patrick Sébastien a déclaré « 6 fois, j'ai invité Francis Cabrel. Il n'est jamais venu dans mes émissions. J'adore le chanteur, mais... » Mais je déteste le mec. L'homme. Non. Oui, c'est la même chose. En gros, ça veut dire mais ça. Mais le mec n'est pas sympa. Mais non, il est plus... Alors, c'est plus précis que ça. Le mec est un chieur. Non. Mais il se prend pour qui, celui-là? C'est ce que ça veut dire. Il se la pète. C'est ce que ça veut dire. Mais il a la grosse tête. C'est ce que ça veut dire. Mais il enfle. C'est ce que ça veut dire. Je vais vous aider. Il fait passer de là pour de là... De la fierté pour de l'humilité, non? Du mépris, du mépris. Non, parce qu'il ne va jamais à la télé. Donc il y a la discrétion. Exactement. Ça, c'est la discrétion. Alors, c'est contraire. Il fait passer de l'orgueil pour de la discrétion. Bravo, de la suffisance, de l'orgueil pour la discrétion. Bravo. Ah, c'est nous. On a fait un truc ensemble. Bravo. C'est assez vache, quand même. Ah, ça balance dans le tac à finir ce soir. Et l'ambiance au Crazy Horse, alors? Entre les filles, il y a de la concurrence? Énormément. Mais toutes les trois, vous vous aimez? Non. Bon, bah écoutez, on va quand même vous souhaiter un bon week-end. Rentrez bien au Crazy Horse Saloon. Bye bye. Restez sur France 2, on se retrouve lundi. Ciao.